Hey, salut à tous, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Shenmue. On est parti, alors on était à la recherche des trois lames la dernière fois, rappelez-vous. On avait bien avancé, on avait fini la première journée, donc on va attaquer cette nouvelle journée avec forcément de l'argent de poche. Ça fait plaisir. Tac, on y va, on est go, moi je dis. Alors le truc, c'est ouais, nous on est juste à côté de l'entrée, donc c'est bon. Il y a Inessan, voilà, qui nous avait dit. Ouais, il faut que tu rentres pas trop tard. Ouais, je sais pas. Elle a même pas vouloir. Elle veut pas parler. Ouais, c'est pas grave. Tant qu'elle donne le pognon, la vieille, moi je dis c'est ça. Voilà. Elle donne l'argent. Voilà, elle nous donne 500 yens par jour. Ça fait plaisir. Moi je dis non, on court. On pourrait aller plus vite. Voilà, comme vous avez vu, on a des raccourcis. Maison et ville ou village. Qui n'existait pas dans la version originale. Ça, c'est un truc à savoir. Mais je vais aller voir notre ami Fexan. Il me semble que c'est utile. Ah, utile. Je crois qu'on peut s'entraîner ou des trucs comme ça avec lui, il me semble. De mémoire. En tout cas, j'ai cette image qu'on pouvait aller le voir. Ce que c'est. ええ、入門したての頃、3年間はこの基本技だけやらされて。Voilà, pardon. Par contre, j'ai mis un peu de son parce que sinon vous en aurez pas beaucoup. J'ai oublié.精髄に至る。か、親父の好きな言葉だったな。ええ。でも、Donc désolé pour le petit dérangement. 指導してくれる先生はいないんですよね。Préfère le faire au début que à la fin. まだ脇が開く癖が治ってないのに。そうだ、りょうさん。できればお手本を見せてくれませんか。Mais tout à fait. Je suis tellement doué. Je sais même pas ce qu'il veut que je lui montre. Le coup du soleil ardent. いいよ。じゃあまず俺がやります。姿勢が乱れてないかよく見ててください。Alors qu'est-ce qu'il veut nous montrer? すると同時に腕に力を込め拳を打ち出す。C'est de la merde. Ah, t'es encore mal, bah, c'est pour ça que c'est de la merde. Mais tout à fait, je vais te montrer ça. Regardez-moi ce style, cette prestance. Vous avez vu cette classe? J'ai eu un bon maître. Ouais, pourquoi pas? Alors, on fait un petit peu d'entraînement avec lui. Ah, il va nous apprendre les bases. Ah, tu veux que je fasse que des points? Ok. Non, mais si tu veux que je fasse que des points, moi je te fais que des points. Je te mets que du point si tu veux. Ça, y a pas de problème. Alors, y a pas de souci. Mais tu veux que je fasse quoi? 50 fois ça? Et en plus, je suis nul. Voilà. Je donne des patates, je mets des jabs dans le rang. Vas-y, on continue, on a le temps. Franchement, on a le temps, on est là pour la découvrir. On se le fait une petite dernière, après on ira enquêter. Je pense qu'on est dans un bon timing niveau du jeu pour l'instant, donc on n'a pas trop à se plaindre. Tata. Regardez-moi cette fluidité, cette expression de cet art martial si incomparable. On sent les années d'entraînement sur ses épaules. Non, mais là c'est bon.
Voilà, ça suffit. Ah bah voilà, lui il est d'accord avec moi. Faut pas abuser. Faut pas toujours abuser, c'est pas bien. C'est pas bon pour le corps. Un peu de temps en temps le matin, ok. Bah, il faut savoir, je crois que c'était moi qui lui montrais comment bien faire. Non mais lui il fait son ralenti quoi. Technique de main frappe jumelle maîtrisée. Ah ouais, ok, on apprenait, c'était une technique qu'on apprenait en faisant ça. Allez, on y va. C'est horrible parce qu'on a une micro latence des fois quand on sort, j'ai l'impression qu'on peut avancer mais en fait pas du tout. C'est faux. Et on passe à travers les trucs. Yamanose. Alors tiens, on va aller voir si la vieille elle est toujours là. Elle voulait voir Yamamoto là. Oh, yeah. Oh, ça sent les embrouilles ça. Ah non, c'est bon, c'est les petits jeunes qui jouent au foot. Captain Tsubasa. Je m'y attendais pas, heureusement que j'ai eu le réflexe. Alors qu'il est connu ce QTE. Oh, ce saut de son. Calmez-vous bien. Ok, donc eux sont partis par là, moi je voulais aller où? Ah mais là ils mettent les embrouilles parce que voilà, si c'est bon on peut aller par là. C'est pas ici, c'est plus loin. Ah il y a le chat, je lui ai rien ramené, il faudrait que je pense à ramener un truc au chat j'avais dit. Voilà, je crois que c'est dans la deuxième partie nous on veut aller. Non, voilà, Sakuragaoka. Normalement, il y a Mamie qui nous attend à Master 6. Je sais pas s'ils sont là. La question, c'est qu'ils rentrent à quelle heure, les Yamamoto? J'ai trouvé où c'est. Merde, c'est pas là le parc. C'est à côté. Oh, le mec, il est bourré. 10h du matin. Mais merde. Attends, c'est pas là le parc? Bah, j'ai envie de dire, c'est tout court. C'est pas là les Yamamoto, de toute façon. C'était où le parc? Ah, c'est encore plus bas. Je suis une rue trop, c'est là. Quoique si je m'étais pas entraîné, peut-être qu'ils auraient été là ce matin. Quoique le portail est ouvert, voilà si elle est au parc. Est-ce qu'elle m'attend, mamie? Mais je veux pas m'entraîner! Quittez! Je voulais voir s'il y avait mamie, moi, je viens de te le dire. Bon, déjà elle est pas là, donc j'espère qu'elle a trouvé quelque chose. En fait, je pense que la quête, fallait la faire tout de suite. Bon, tant pis, hein, j'ai envie de dire Osef, on va à Dobuita. On va aller continuer notre enquête. Normalement, je crois qu'il y a un commerçant, mais il est fermé celui-ci. Ça doit être le daron qui a des soucis, peut-être. À moins qu'on peut y aller. Non, on peut y aller, je pense. Ouais, c'est pas 7h-10h. C'est peut-être le soir. Ah, c'est peut-être pas la bonne heure pour eux. Alors, par contre, je sais plus ce qu'on devait aller voir. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah, ouais, le Manpukuken le ramène. Le tailleur du tailleur, il y a Itoi-san de Maris Patches et Embroidery. Et le coiffeur, il y a Maeda-san. Bon, essayez de trouver ça. Déjà, ramène. Il y avait la carte derrière moi, mais je vais essayer de prendre la carte qui est un peu plus loin. Ce sera peut-être mieux pour m'orienter. Voilà, il y en a une là. Cherchons le ramène. Le ramène, je sais plus où il est. Il y a un barber hair saloon là-bas. Alors nous on est là, d'après ce qu'on nous dit. Hein, you are here. Hein, vous êtes ici. Donc là si je tourne, qu'est-ce qu'on a? Chinese. Ah le nan Manpukuken, c'est ramen, c'est tout droit. Ok, donc ça déjà on y va. Tac. Après qu'est-ce qu'il nous faut en deuxième? Maris Patches, il faudra revenir en arrière. Donc si on fait le tour, il faudra aller à gauche. Ok. À côté du surplus militaire, c'est ça? C'est ça. Tac, donc il doit y avoir Bob pas très loin. Et le dernier, Yamaida, voilà, barbershop là-bas au bout de la rue, ok. On est bien, je pense. Allons au ramen shop. Allons continuer d'enquêter en espérant qu'il est ouvert. Au pire, on fera le tour de la ville. Alors ça doit être là, c'est karaoké, donc c'est pas là. C'est ici, Manpukuken. Merde, je crois qu'il est fermé. Tout va à quelle heure, mon grand? Laisse-moi regarder. 5h, 4h. Alors, eux, je pense qu'ils ouvrent en fin de journée. Ce qui est logique, c'est de la bouffe. Donc, allons voir de l'autre côté.
les sapes et le coiffeur. Tant pis, on aurait dû tourner tout de suite à l'entrée. Allons de l'autre côté. Donc rappelons-nous, hein, on cherche des Chinois pour se renseigner sur l'Indie. Donc ça doit être là quelque part. Là on a le surplus. Donc ça doit être ici, voilà. Ça doit être lui, j'imagine. おじさん、三島って知ってます？りょうちゃん、どれから聞いた？父さんからです。そっかそっか。それで三島関係の中国人を探してるんです。だったら、りゅうさんに聞いてみなさい。あ、りゅうさん。で、き、りゅうさん。そうそう、理髪店の。あ、le salon de coiffure。わかりました。でも、糸井さん、どうして三島？Bah j'en fais partie. Bon, ça c'est fait. Allons voir le barbeur normalement qui est au bout de la rue. Où est-ce que c'est? On va pas à la salle d'arcade. Non, c'est pas le moment de s'amuser. Je crois que c'est fleuriste. Où est-ce qu'il est ce barbeur? C'est quoi ici? Je sais même pas ce que c'est ça. C'est un truc pour téléphoner. Il y a un truc d'entraînement. Il n'est pas censé avoir un barbershop là? Il y a un panneau de la ville. Et là je vois qu'il y a une boucherie. On nous a dit Liu San là. Ah, là il y a un panneau. Il y a un panneau. Oh, ce déplacement en façon Resident Evil, c'est atroce quand même. Revenir là-dessus. Alors nous on est là. Ah bah si, il y en a là. Mais il est où le truc game? Il y a la boucherie, donc c'est bien derrière nous. Normalement il y a le Maeda. Alors ça doit pas être lui qu'on doit aller voir, mais je sais pas qui est Liu San. Enfin, par contre tu peux pas rester sur le truc, quoi. Ça tue les yeux. Je vais essayer de pas vous embrouiller aussi, parce que moi ça me donne mal au crâne, donc j'ose pas imaginer. Tiens, on peut remonter ici. Ok. Donc non, on a dit de l'autre côté. Normalement, il y a un barbeur ici. Je suis pas fou. Je serais pas planté sur la carte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a carotte. À moins que ce soit là, caché derrière. Non, il y a rien, on est d'accord. Attends, la map, elle me dit bien que c'est là. Ah, c'est peut-être là. Normal cuts, voilà, il y a le prix des coupes. Est-ce que c'est ouvert? C'est open. C'est open bar. La spéciale, c'est 25$. Ils mettent les prix en dollars alors qu'on est en yens. Salut mon gars. Ok, donc lui ça sert à rien de lui parler, mais il faut aller donc à l'autre. Ah oh, après le burger ils m'ont dit. Le Funibir. Drôle de nom pour un burger. Non, c'est vrai, sans déconner. L'ours marron, je crois que c'était ça. Ou à moins que c'est le nom du salon, mais c'est la barbe marrante. Alors, burger. Là, c'est le surplus. C'est où le truc du burger? Je sais pas si je l'ai vu. Les Water Dragons. Ah, il se passe quelque chose, non? Oh, il y a des loupards! Ah ouais, c'est le loupard avec sa feuille. Oh, ça cherche les embrouilles. Ouais, mais toi t'es Yakuza, moi je suis une voyelle. Oh, c'est en mode QTE. En mode ralenti QTE. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là! Oh, ça rigole moins. Oh, le petit coup. Mais ouais, respectez-vous. Ah!
Jobuka! Oh les vieilles racailles! On les a fumées. Alors il y a ma copine fleuriste. Alors cherche le burger. C'est pas là. Ah, Funibir, voilà, c'est là. Donc déjà on se rapproche. Funibir. Un salon de macaroni. Mais non, pas du tout. Dans le burger, forcément, bien sûr. Voilà, c'est bien. Non, mais vous avez suivi. Alors la question, c'est que le coiffeur, il est où? Moi, je verrais bien celui qui est là-bas. Ce serait celui-là, celui de Liu-San. Il y a quoi ici? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des magasins, je sais même pas ce que c'est. Le Water Jean. Je me demande si c'est pas celui du début. Mais le problème, c'est qu'ils ouvrent pas à mes horaires. Ah, c'est open. On va aller voir. On sera fixé. En 2700 yens la coupe ou 4700? Ah, c'est lui, Liu Barber. Voilà, il parle avec sa femme, j'imagine. Bonjour. Non, mais ils vont très bien mes cheveux. Vous êtes. Si peu, si peu. L'antée という中国人を探しているんです。父さんたち3頭の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は2世なのであなたのご期待には。あなたみんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない。ああそうか。C'est qui ton daron? になる私の父です。戦前から横浜で商売していたので、確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて、昨日退院したところだ。On a de la chance, il est sorti hier. Il n'est pas claqué de la grille. 店を休んでしまって。Ah, c'est pour ça que c'était fermé. もう大丈夫なんですか？ピンピンしてますよ。スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないか。スズメパーク。スズメ公園ですか？ぐるっとドブ板を一周散歩して、お蕎麦屋に寄るのが日課で。ありがとうございます。行って訪ねてみます。Ok, donc on va commencer par faire nos recherches vers le parc. Il mange au magasin de soba et il se promène dans Dubuita. J'allais dire, il veut pas sortir. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Ok, alors le truc, c'est que c'est quoi le parc? C'est quoi? Lui, il fait tellement racaille, je sais pas c'est qui lui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il a l'air trop chelou. Je sais pas pourquoi il me dit quelque chose lui, mais je sais plus. Il fait le Honshi style en tout cas. Alors il me faut la carte parce qu'il faudrait que je sache où est le parc, où est le magasin de soba au cas où. Que bon, il va être 1 heure de l'après, mais est-ce qu'il mange? C'est vrai, non mais à quelle heure il mange le mec? Alors soba c'est là-bas. C'est carrément de l'autre côté. Ah bah là-bas il y a le parc. Alors si c'est le seul parc, c'est bon en fait, il faut que j'aille là-bas. Je pense qu'il n'y a que ça comme parc. Ok, donc on sait où c'est là où il y avait les escaliers. Où il y avait la petite fille qui jouait. On va aller voir ça. Et Bob qui... Oh, il y a le motard. Voilà, t'es double esquive, c'est pas grave. Voilà, t'inquiète pas, on gère. Non, mais ils sont gentils. Ça donne de la vie au quartier. Hein. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a quand même un peu mal vieilli. Merde, c'était où? Mais t'es là, toi. Mais je viens pas de te croiser. Ah non, c'était avant le... Là. C'était vers le Guému. Mais oui. Alors, est-ce que Papy fait de l'entraînement au parc? Est-ce que c'est ce parc, surtout? Allons voir ici. Allons parler à ces jeunes gens. Liu-san, desu ka? So da ga. Oh ben celui, on a de la chance. Hazuki to imasu. Yamanase no Hazuki bukan no. Ah. Uwasa ni wa kiite iru. Il me regarde bizarrement. Pas trop beaucoup ça. Nanka yoka ne. Lantei to nanoru chugokujin o sagashiteru n desu. Ajiichi no tousan tachi 3 tou no katagata ga Liu-san nara nanika gozonji daro to. Oh.
君は三刀を知っているのかね。理髪師、調理師、仕立て師を指すと。さよう。いつ何時死角に狙われるやもしれない皇帝を、カミソリ、包丁、ハサミを持ってお守りし。Je croyais qu'il allait pas la cracher sa pastille。仕事したちだ。乱帝のことですが、その呼び名から察するに、おそらく中国の闇の組織のものだろう。あるいはチャイニーズマフィアか。そんな奴らがこの横須賀に。正規の入国手続きを踏まずとも、港を拠点に活動を広げられるからだ。近辺の船員に聞いてみなさい。必ず何か知っている。船員か。探してみます。本当にありがとうございました。頑張りなさい。Alors, il faut qu'on trouve des marins. Marins travaillant dans l'import de Shanghai et Hong Kong seront peut-être pour la mafia. Trouver marins. Voilà, on a recoupé nos informations avec la mafia chinoise, donc. Hein, où on avance, comme j'ai dit, dans cette petite enquête. L'enquête avance. Alors je voulais aller à la petite boutique. Où est-ce qu'elle est là? Voilà, parce qu'on n'y a pas encore été. J'aimerais bien me payer un petit gacha, tiens, aujourd'hui. Mais je sais plus ce qu'ils vendaient ici. Il me semble qu'on peut. C'est ici qu'on peut acheter la Saturne et tout. Je crois, je sais qu'on peut acheter des petits trucs. C'est assez marrant, il y a de la bouffe normalement. Mais je sais pas s'il n'y a pas une machine à gacha aussi. Comment on fait, tiens? Le truc c'est que je sais plus comment ça marche. Faut lui parler direct. Il y a un truc, un système avec des points. Minako-san. Ah, mais lui, il enquête. Moi, je voulais acheter des trucs. C'était pas ici, de toute façon. Non, ça me paraît trop petit, c'est pas ici. Où est-ce que c'est déjà le genre de grande boutique, là? Où ils vendent plein de trucs. C'est dingue, je m'en rappelle pas. C'est dingue de chez dingue. Je suis sûr qu'il y a une boutique dans cet esprit en plus. Parce que je sais qu'il y a les gachas vers chez nous. Je croyais qu'il montrait son cul. Ah, sur ma vie, j'ai cru qu'il... Bah là, j'ai pas le droit de passer entre les deux motos. Bah oui, bah attendez les gars, je fais ce que je peux. Ouais, d'accord. Ouais. Bon. Où est-ce qu'elle serait cette boutique Ah, je me rappelle que normalement il y a une boutique où on peut acheter. On peut même acheter, voilà, si on veut pas payer à la salle d'arcade des tours de Outrun ou des trucs comme ça, on peut les acheter directement et jouer dans notre salon. Ce qui est beaucoup plus cool. Mais où est-ce qu'elle était cette boutique? Parce que j'ai pas l'impression que c'est dans le coin. Moi je la voyais vers chez la fleuriste. Là c'est un snack. Ça a pas l'air d'être là, on est d'accord. Bon, bah c'est peut-être là où j'étais. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut que je... Ah, des poissons. Peut-être que voilà, il... Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vend, elle? Peut-être qu'elle sait, elle fait de la bouffe. Mais qui je pourrais demander? Dans les bars? Ça paraît logique. Moi je me dis que dans les bars, ça peut être un début de piste. Quelle heure il est? Il est à peine 3h, donc c'est bon, on est bien pour l'instant. C'est pour ça que je peux me permettre. On va demander à lui peut-être que ici. Ils vont tout au bout de Buta la nuit. Demandez à Tom. Donc Tom, c'est Bob Marley. Allons tester. C'est le Bob Marley asiatique du jeu. Il est là. C'est lui, je crois, il me semble. Tom. Tom.
船員がよく集まるところを知らないか。船員？おお、セルメン。バーによくいるね。なれば、おねだか。いつもストリートファイト。手がつけられないよ。どこのバーにいる？ I don't know. Tom, no money. バーに行けない。わかった。また来るよ。Bon, on sait qu'il traîne dans les bars. C'est un autre début de piste. Allez, moi je vais aller au game parce que j'avais promis de temps en temps on se ferait des petites pauses. Puis on a un peu d'argent, alors voilà. Si on peut pas se payer une petite partie, ce serait con. Alors je ferais bien, je ferais le Outrun qui est là. Bah ouais, 100 yens. Quoique, ah non, c'est MotoGP ici. Pas Outrun, je crois. On va jouer, je sais plus. Qu'est-ce que... Non, c'est pas MotoGP en plus, non, je dis de la merde. Est-ce que comment il s'appelle le nom? Mais je veux juste mettre 100 yens. Ah ouais, je peux mettre plusieurs parties d'un coup. 100 yens déjà pour apprendre les boutons. Ah c'est Angon, voilà, putain, je suis fou moi. Par contre, je sais pas comment on joue. Passe. Ah. Ah merde, c'était derrière en fait, ça c'était la vitesse auto, c'était bien la gâchette. Ah le loser. Oh ce bruit dégueulasse. Là dans Yakuza quand même c'est un peu mieux optimisé. Là c'est vraiment hardcore. En tout cas pour moi, vous l'aurez un peu moins fort. Oh, je sais plus jouer en gun par contre. Hein. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Mais je sais pas pourquoi j'étais sur Outrun, moi je me suis cru dans Yakuza. Allez, on est bien. On double tout le monde. Allez, il faut savoir freiner un peu. Si on veut pas finir notre vie dans les rochers. Ça va tourner. Ah merde, je l'ai touché. Ouais, comment ils m'ont tous rattrapé. Ouais, une fois que t'as touché un peu l'herbe ou un mec, voilà ce qui arrive. Ils m'ont tous dépassé. Après, il me reste 10 secondes, c'est bon, on a pris le check. Ça fait plaisir. Ah ouais, non, mais ça c'est relou, voilà. Voilà, on rattrape tous ceux qui nous ont carottés. Normalement, il faut passer à 140. Hein. J'ai vu le panneau vite teuf. Ah, mais voilà, t'as 50 motos qui te repassent derrière dès que tu touches un peu. Mais le mec, il était dans le virage au mauvais moment. Déjà, on va essayer de pas se prendre au rocher. Ouais, non, mais vas-y, casse-toi. Casse-toi, espèce de petit enfoiré. Ouais, il avait disparu. Oh, merde, je me suis pris un arbre. Voilà, il fallait que ça arrive. Je savais que ça finirait par arriver. Alors, comment tu perds une heure dans ces cas-là? Sur ma vie, tu perds toute ta partie. T'es dead une fois que t'as fait ça. Enfin, c'est con, j'avais bien démarré. Après, il y a peut-être. Mais non, voilà, je me fais éjecter encore une fois. Ah ouais, j'étais encore loin quand même. Mais bon, c'est pas dégueu. Il restait quoi donc? 1, 2, 3, 4 times, sachant que, ouais, en fait, faut pas déconner. J'allais dire pourquoi je peux pas bouger. Ah oui, il faut faire en haut, ok. Ouais, c'est pas grave, on s'est fait une petite partie d'Angon, voilà, c'est comme ça. Ça fait plaisir, on ira frapper une prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a Space Harrier, de toute façon. Ça là. Mais non, pas là, il y a les fléchettes. Ben, par contre, c'est relou ça. Ben, ouais, bah, fuck you. J'ai envie de dire, chut, calme-toi. Voilà. Donc, ben, on va se quitter ici pour cet épisode. On se retrouvera très bientôt pour la suite de nos aventures. On va chercher. En plus, ça tombe bien parce que ce sera la U. Je vais peut-être mettre en pause. Je trouve que ce serait une bonne idée parce que sinon, on va se faire carotter le time. Mais donc, on va se retrouver la prochaine fois pour enquêter sur les marins dans les bars. Voilà ce qu'on fera. On a quand même bien avancé, mine de rien.
Alors merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.